Yo tout le monde, allez, on est reparti pour faire un petit peu comme la dernière fois où on avait fait une cape la capricieuse si vous vous rappelez bien. Donc là j'ai regardé un petit peu, j'ai checké un peu sur la banque. Bon là c'est mon chat, il joue avec des perles. Donc, comme d'habitude, maintenant vous commencez à avoir l'habitude d'entendre mon chat. Alors si je fais ça, j'aurai des petites couronnes de Mazotte royale bien sûr. Donc, je pense qu'on peut gagner pas mal au niveau de la puissance. L'invoque, bien sûr. Bon, l'invoque, ça reste vers les 30 000, il me semble encore. Dommage, eau, terre, ça peut être pas mal. Et résistance poussée, toujours, comme la dernière fois. Le tacle. Et après, tout ce qui est résistance. On a quasiment tout. Donc, on va aller acheter un petit peu ce qui manque. Donc, on va aller directement en banque. Directement à l'HDB de ressources. On se dépêche. Voilà. On check les manzottes. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, plus de manzottes, il m'en manque. À peu près 40. Il faut 77. Alors, soit on en fait une, soit on en fait deux. Donc, à voir. À voir, franchement, à voir. Si on en fait deux, autant que j'en prenne 100. Donc, il faudrait 150. Là, si j'en prends 100 maintenant, c'est plus rentable, je pense. Allez, on se risque à en prendre deux. Étant donné que c'est moins cher par 100 pour ça, en tout cas. Après. Bon, par contre, faut que je fasse gaffe à aller plus vite. J'arrête un petit peu tout à l'heure, donc ça normalement c'est bon. Que de fou, Manzotte. C'est où, c'est où, c'est où? Allô? Eh bien. Eh ben, c'est où ça? Que de fou, Manzotte. Il nous faudrait 80 si on veut en faire 2. Donc il nous en manque clairement 18. Non, c'est pas ça. Voilà. Oula. Essayez d'en prendre 8 déjà. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Donc là, c'est parfait. Donc s'il nous en faut 80, ben, on va essayer de trouver directement par 1. Hein. C'est beaucoup moins cher. Là, l'objectif, c'est d'essayer de payer loin. Donc, j'étais à 5 millions 100. Donc, les runes de la capricieuse, parce que là, je tourne le lendemain. Donc, la vidéo sortira sûrement 2-3 jours après. Histoire de laisser un petit écart. Normalement. Donc j'ai crédité à peu près 300 000 kamas pour l'instant. Donc il reste au prix des runes, ça fait 550 000. Donc un bénéfice de 420 000 à peu près. Donc on est à 80 là. Là c'est parfait. Ouais. J'ai pas fait de conneries quand même. Elle est où? Ah. Ça normalement c'est bon. Ouais, on en a 30, vous voyez, il en faut 12. Donc ça c'est bon, on a fait, on a checké. Plume de Manzotte Royale, ça peut coûter un peu cher. Il nous en manque juste 10. Ok, c'est raisonnable. Donc la coiffe elle coûte à peu près 10 000, à peu près 400 000. Donc nous, hein, on brise, hein, on va pas s'embêter à essayer des FM, etc. Peut-être un peu plus tard, mais on verra. Franchement, on verra. Donc là, il nous en faut 8, il nous en manque 3 seulement. C'est quoi déjà? Oreille de fou Manzotte. Pas su être super cher non plus. Voilà. C'est pas des prix énormes non plus. Tandis que ces items, je pense pas qu'ils soient forcément
très réputé. Donc autant les briser pour avoir des. Donc là, il faudra encore des galets boucanés, bien sûr. Tiens, bah regardez, les dents de croquabillage, j'avais dit qu'elles auraient pu nous servir plus tard. Donc là, vous voyez, clairement, on va pouvoir utiliser les dents de croquabillage. Donc normalement, pour deux, il y a tout. On va aller acheter les 8 petits galets. C'est parti, on va utiliser la petite popo. Allez, ça n'a pas cliqué. Voilà, moins 13. Je pense que sur ce coup-là, on risque de faire un peu plus de bénéfices. On va calculer un petit peu combien j'ai dépensé. Donc clairement, ça va être les galets les plus chers, comme d'habitude. Donc là, on va prendre par 10. Voilà. Étant donné que je pense que je vais encore m'en servir des deux derniers. Voilà. 216 000. Donc on a dépensé 300 000. À quelque chose près. Donc pour deux caps, on a dépensé la valeur de quasiment une. On va clairement doubler nos camas. Ça, c'est sûr et certain. Après, à quel point, on va pouvoir découvrir tout de suite. Donc pour l'instant, vous pouvez voir que je m'attaque pas forcément à de gros gros items. Bah, étant donné que vous avez pu deviner. Non, c'est pas ça. Que tailleur est que 168. Donc je peux pas farmer les bons items niveau 190 et quelques. Mais bon, je pense que ça reste pas mal. Voilà, on peut bien en faire deux. Donc là, c'est cool. Allez, on va faire ça. 234, 238, 19. Alors, c'est quoi le G de base déjà? Très chiant ça. Je sais plus comment on regarde les G de base. Bref, voilà. Pour 300 000, on a deux petites coiffes, deux petites couronnes de Manzoth Royal. Wow, petit fail. Alors, on va aller briser tout ça. On va re-regarder les G. En dommage, c'est pas trop mal. On n'a que deux critiques, c'est dommage. Hein, puisque ça va jusqu'à 3, ça j'ai regardé tout à l'heure. Résistance poussée, on est au max. Tacle, que 4 sur 5. Ça va, c'est déjà pas mal. Résistance, c'est pas fou. Vita, ça reste pas mal. La deuxième. La deuxième. Oh, c'est pas terrible. On va. Il y a mon meneur qui est là. Petit bonjour. Ouh là 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 là. Ça me semble pas trop correct. Ça me semble pas correct. Est-ce qu'on a vraiment gaspillé? Pour 300 000, fait que 260 000 de bénéfices. Moi personnellement, je pense pas. On a quand même les runes tacles, etc. Écoutez, on va checker. Alors, j'ai fait l'imbécile. J'avais déjà des ressources, des runes. Coûte très cher les patacs. Coûte très très cher ça. À voir. Après, je pense qu'on va. Ouh, quand même, 3 runes, j'en avais pas avant. 3 runes, un veau. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non, franchement, je pense que on est à plus que 260 000. À quelque chose près. On s'est remboursé. Mais c'est pas vraiment ça. Après, d'un côté, on a les ressources. Les petits galets qui nous restent à côté. Rien n'est perdu, clairement. On va pas chipoter pour ça. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Je vais travailler un petit peu sur le fait que quelques ressources vont être utiles ou pas. On va voir. Moi, je vais voir au niveau des puissances. Non, ça, c'est les petites puissances. Rat puissance. Donc là, cette fois-ci, on en a eu deux. Les prix ont baissé au niveau des rat puissance. Ok. Résistance de poussée, c'est pas trop ça. Qu'est-ce qui était bien aussi?
Dommage haut. D'accord, donc faudra éviter le dommage haut. Les résistances, bon, ben, résistance haut. Il y a peu de personnages qui sont haut ou d'items haut. Après, moi je pense qu'il faut miser surtout sur le neutre, le terre, le feu. Et après l'extrême, la J. Franchement, excusez-moi, j'ai encore le nez bouché. Alors, on check quand même un petit peu. Bon, là, vous voyez, là, c'est pas trop mal au niveau des tacs. Bah, attendez. N'importe quoi, ça. La rune patac coûte moins cher que la rune tac. Très bien. Logique de Dofus. Ok, ben bah non, 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 je pense que quand même on a crédité à plus de 300 000. Cette fois-ci c'est un peu mieux, je pense. On a quand même moins optimisé la vente. Donc là, c'est moins plaisant, c'est vrai. Là, on a beaucoup de prospection, là c'est assez cool. Je vais peut-être pouvoir faire un petit item PP. À voir. Voilà, je pense qu'on va en rester là. Donc c'était pas terrible, un peu déçu. On va garder un petit peu de runes pour faire peut-être un autre épisode où on va créer des items pour soit les revendre, soit les FM. Bon, on va voir un petit peu tout ça. Je vais checker un peu tout ce qu'il y a en inventaire parce que là, je viens de voir qu'il y a pas mal de petits items en plus. Laissez-moi un petit peu le temps de me remettre sur Dofus. Ne vous inquiétez pas. L'activité sera toujours au rendez-vous. Sur ce, malgré ce petit fail, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi. Je vous invite à poser un petit like. Si pourquoi pas, si on peut dépasser les 10 likes sur cette vidéo, ça serait super sympa. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et je vous aime mes bros.